Alors, connectez-vous rapidement, connectez-vous. Connectez-vous, Afrique de Liberté, connectez-vous. Connectez-vous rapidement parce que là c'est grave et ça devient autre chose, ce qui se passe actuellement au Congo. Il faudrait qu'on en parle, c'est pourquoi Afrique de Liberté ce soir. J'aimerais que vous qui êtes là déjà, il faudrait commencer à partager massivement cette vidéo. Partagez la vidéo, partagez massivement cette vidéo. Invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas. En tout cas, de mettre les pouces bleus, n'oubliez pas. De vous abonner. Voilà, si c'est la première fois que vous êtes ici sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance, il faut tout simplement vous abonner et ensuite activer comme ça la cloche de notification pour ne rien rater comme ça de tout ce que nous publions sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Alors, Afrique de Liberté, comme je disais tantôt, c'est très grave ce qui se passe actuellement au Congo. Il ne faudrait pas que on dépasse la limite. Voilà, il faudrait. Toujours, je le dis, il faut faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Bien sûr, actuellement, ça ne va pas. Bien sûr, actuellement, c'est mélangé. Bien sûr, actuellement, c'est le désordre. Mais il faudrait que le peuple du Congo, le peuple congolais, nous savions qu'actuellement, là, vous êtes fâchés. Nous savions qu'actuellement, c'est normal de sortir, c'est normal de manifester. C'est normal donc de protester. C'est normal ce que vous faites actuellement au Congo pour vous faire entendre face à cette situation qui perdure. Voilà. Aujourd'hui, même les joueurs se sont mis à l'œuvre pour essayer de faire passer un message très fort. On nous tue, vous ne dites rien. On nous tue, vous faites comme si vous ne voyez rien. On nous tue, vous faites comme si vous n'entendez rien. C'est donc le message depuis la Côte d'Ivoire que l'équipe du Congo, avec les entraîneurs, on fait passer. Mais, comme je disais, il faut manifester, protester pacifiquement. Même si vous voulez vous faire entendre. Parce que depuis longtemps, vous manifestez, vous protestez, mais c'est comme si de rien n'était. Si vous voulez changer, si vous voulez élever la manifestation, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Il faut savoir cibler les ciblants. Il faut savoir vous faire entendre autrement, mais ne pas toucher à vos frères et sœurs africains, panafricains, qui, depuis là-bas aussi, là, beaucoup sont entre vous, beaucoup sont parmi vous, en train de vous soutenir dans cette marche, dans cette manifestation, cette protestation. C'est ça l'Afrique. C'est ensemble qu'on pourra y arriver. C'est ensemble qu'on pourra les faire entendre raison. C'est ensemble qu'on pourra remettre le pouce sur les i. Nous sommes aujourd'hui avec vous dans tout ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Mais il faut savoir faire la part des choses parce que l'information que nous avons reçue est très capitale et ce n'est pas normal. Afrique de Liberté, cher peuple du Congo, il ne faudrait pas s'en prendre à la mauvaise personne, il ne faudrait pas s'en prendre en tout cas aux mauvaises institutions. Il y a aujourd'hui là des choses bien précises à viser au Congo pour vous faire entendre. Mais il ne faudrait pas s'en prendre à des gens innocents. Il ne faudrait pas s'en prendre à des personnes innocentes. Il ne faudrait pas s'en prendre à des institutions africaines. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui là, c'est très grave, Afrique de Liberté. Ce matin, j'ai voulu en parler, mais j'avais pas le temps. Ce soir, Afrique de Liberté, on va écouter cette vidéo. L'heure est très grave. Il y a un communiqué qui est tombé, qui vient de tomber. On va rapidement prendre ensemble, hein, prenez vos tabourets, asseyez-vous. On va rentrer en profondeur de ce communiqué et vous expliquer certaines choses. Peuple du Congo, ne dépassez pas la limite. Afrique de la Liberté, écoutons ensemble cette vidéo pour mieux comprendre actuellement la gravité, parce que c'est très grave actuellement au Congo. C'est mélangé, tout est gâté. C'est le désordre. Tout est ngagami au Congo actuellement. Donc, on va écouter cette vidéo et tout à l'heure, on va revenir pour essayer de vous expliquer encore certaines choses. On écoute cette vidéo et à tout à l'heure. Congo-Kinshasa, il y a un individu qu'on appelle Tshisekedi qui refuse de prendre ses responsabilités au Congo. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Les gens sont en attaque, ils m'ont dit que je ne sais pas pourquoi ils attaquent mon live. Voilà. Il a dit que c'est mardi, il n'y a pas de politique, non? Mais aujourd'hui, là, c'est chaud, donc il faut qu'on parle. Il y a urgence. Voilà, donc il faut qu'on parle. Il y a un communiqué de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Kinshasa qui est sorti.
pour dire que nos populations sont attaquées là-bas. Ils ont même saccagé l'ambassade. Donc on ne peut pas se taire parce que c'est notre pays aussi qui est en danger. Voilà, donc il faut qu'on se parle un peu les Kenyans. Sinon, ce n'est pas bon. Voilà, mais les gens veulent nous manquer de respect, ce n'est pas sérieux. Nous n'allons pas accepter ça. Voilà. Partagez la vidéo, je vous lis le communiqué tout de suite. Partagez, il y en a vous sympa là. Il y a quelqu'un qui s'assied dans ma voiture. Et là, si la personne s'est trompée de voiture, elle peut venir s'asseoir dans ma voiture, elle pensait que c'était sa voiture. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez, mettez le cœur. Il y a urgence, mettez le cœur, s'il vous plaît. Nous avons une urgence depuis le Congo là. Mettez le cœur. On fait un petit direct de 10 minutes et puis on va se laisser. Allez, j'ai lu le communiqué, puis il y a touché deux mots à M. Tshisekedi, c'est important. Et son peuple. Parce qu'ils sont sans prendre au corps diplomatique. Maintenant, là, j'étais sur Twitter, je vois, j'étais écrit des bêtises là. Hé, d'accord. Il y a des doutes à parler. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est eux qui nous promettent là. On va se laisser, on va se faire imponer même. C'est pas un débat. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec les Congolais, mais je ne peux pas accepter qu'on attaque notre ambassade au niveau du Congo. Si la jette là, elle peut venir, j'étais dans le cas, non, pas citer. Voilà. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. C'est urgent. Je vous dis la vérité, c'est urgent. Je vais lui le communiquer tout de suite là. Je suis en train de mettre ça sur ma page là. On voulait de Kinshasa. Ici, là, on n'est pas ici pour s'amuser. Comment on est dit? Voilà, Kinshasa. Partagez la vidéo, partagez. Mettez le cœur. Partagez le direct là. Partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct, mettez le cœur. Nous avons une urgence, mettez le cœur. Comment on a réussi dans le pays, on ne peut plus respirer aussi. Je le vois, il se joue, il se met mené comme ça. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît, il y a problème là. Voilà, partagez. Il y a problème au Congo, il faut partager le direct, c'est important. Alors, on a reçu un communiqué ici. Voilà, on dit, alerte. Communiqué 0224. Depuis ce samedi 10 février 2024, à travers la ville de Kinshasa, des personnes s'attaquent. Les gars, il faut écouter. Mettez le cœur sur le direct. Chaque bambadis, on ne parle d'autorité. Il m'a tué. Mettez le cœur sur le live, là, les gars. Mettez le cœur sur le live, c'est important. Mettez le cœur sur le live. Ouais, mettez le cœur sur le live, c'est important. Depuis ce samedi 10 février 2024, à travers la ville de Kinshasa, des personnes s'attaquent pour le moment aux véhicules des ambassades et des organisations internationales accréditées à R2 Congo. Sans distinction aucune. Ainsi, l'un des véhicules de l'ambassade de Côte d'Ivoire a été sérieusement saccagé à 13h dans la zone de la gare centrale. Considérant ces troubles qui menacent les vies humaines et les biens matériels, l'ambassade de Côte d'Ivoire à Kinshasa informe que le projet de réunir dans ses locaux ses compatriotes pour assister ensemble au match de la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est purement et simplement annulé. Écoutez bien. Par ailleurs, l'ambassade appelle ses ressortissants résidant sur toute l'étendue du territoire national à observer dès maintenant un comportement responsable en adoptant les attitudes suivantes. Faire preuve de discrétion et de prudence. Ne pas céder aux éventuelles provocations de leurs frères et voisins congolais. Assister au match en famille. Éviter les débits de boissons. Ne pas porter la tenue aux couleurs nationales ivoiriennes, etc. L'ambassade encourage l'ensemble de ses compatriotes au respect strict des recommandations ci-dessus énoncées. Fait à Kinshasa le 10 février 2024. Il y a problème. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Nos parents congolais de Kinshasa, ce matin, je les voyais attroupés devant l'ambassade des États-Unis. Les gars, s'il y a la guerre au Congo, un Congo et le Rwanda, il faut vous en prendre à votre président. C'est la vérité. Il faut dire à Tshisekedi, ok, qu'il ne vaut rien. Parce que ne peut pas comprendre qu'au Burkina Faso, les terroristes sont restés là-bas. Ils ont activé leur propre peuple. Ils ont donné VDP pour défendre la nation, pour défendre leur patrie. Mais vous, chez vous, vous venez attaquer les ambassades. Les ambassades ont fait quoi? Allez-y au fond. Dites à votre président, au lieu d'être dans les accords folkloriques avec les Français, mais il est mieux vaut aller faire les accords avec les Russes. Ils vont lui donner les armes et puis il va envoyer son peuple au fond. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas nous déranger ici. Vous ne pouvez déranger personne. Si votre président vaut rien, c'est pas de notre faute. C'est vous qui l'avez voté. Donc, s'il n'est pas capable de porter ses couilles, qu'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, mais qu'il dégage du pouvoir, c'est simplement le bonjour. Vous apprenez à tout le monde aujourd'hui. C'est pas votre problème au juste, là. C'est pas votre problème. C'est quoi votre problème au juste, les gars? Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est quoi votre problème? C'est quoi le problème au juste? S'il y a un problème à Goma, là, le peuple congolais, on est allé casser, mais apprenez la direction pour aller à Goma, on allait faire la guerre là-bas. C'est tout.
Prenez la direction de Goma. Laissez les Ivoiriens en paix. Faut laisser les gens en paix, les gars. C'est une vérité. Depuis que vous avez vu que des fois, ils vont venir faire la vont venir prendre les gens, venir faire guerre chez vous. Non, mais vous ne pouvez pas faire ça. Si, moi, je ne peux pas accepter. Moi, je le dis, c'est à vous tous. On parlait depuis bien longtemps. Et le président Tshisekedi parle de cette affaire entre Rwanda et le Congo, Kinshasa. You know? Mais s'il y a un problème là-bas, là, mais, les gars, il faut amener aussi ton peuple d'aller faire la guerre, c'est tout. C'est simple comme le bonjour. Si la négociation ne marche pas, que tu as tout ton pays attaqué là, tu répliques par quoi? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous répliquez par quoi? Donc vous pouvez sortir dans les rues pour casser les trucs des autres. Non, allez-y là-bas, c'est là. Ton pays attaqué, quand ton pays attaqué là, tu dois riposter. Le soir bon, quand ton pays attaqué là, tu dois riposter. C'est tout. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on dit à Draman, faut pas aller provoquer les gens de leur pays. Faut pas aller provoquer les gens de leur pays. C'est pour ça que nous, on parle à Ouattara. On lui dit, faut pas aller provoquer les gens de leur pays. Parce que si tu vas aller provoquer de leur pays, que la riposte, non, te laisse, vous êtes en boulevard. Ils vont te frapper, puis ils vont partir. Mais non, rien te fait. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que Dieu, je parle chez le peuple des gens, de le pays des gens. Le Congo, les Congolais, vous êtes plus nombreux que les Rwandais. Et vous ne pas venir vous marcher dessus, et puis vous êtes venus dans ma main. Pourquoi? Vous êtes plus nombreux, ben allez taper sur Google la population du Congo, Kinshasa, vous dites, ils sont combien? Ils sont nombreux là-bas? Ils sont nombreux là-bas? Ils sont nombreux là-bas? Pourquoi ils vont venir nous emmerder? C'est quoi le problème au juste? Hein? C'est quoi le problème? Il y a des gens qui pensent que moi, le temps pour les bêtises. Voilà. Tu as bloqué de la paix du Seigneur. Moi, ici, moi, il ne peut pas le temps. Mais c'est dommage. On peut concevoir ça tous les jours, c'est le même scénario. C'est quoi le projet au juste? Donc, il faut dire aux Congolais d'arrêter leurs bêtises. Les Congolais de Kinshasa. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez. Si vous voulez faire votre guerre, la guerre, là, c'est au fond. Allez-y là-bas, de la ville où c'est chaud là. Vous allez vous tabasser là-bas. Laissez-nous en paix. Nous, on n'a rien à voir avec vos problèmes. Laissez-nous en paix. Personne ne viendra résoudre vos problèmes au Congo. Personne ne viendra résoudre vos problèmes. C'est à vous-même qui allez résoudre vos problèmes. Vous êtes assis là, devant votre pays, venez vous chicoter. Pourquoi? Il ne faut rien. Tu sais que tu ne faut rien. Mais qui vous disait ça? Vous n'avez pas le voter, vous avez venu dire que non, on ne connaît pas votre pays. On ne connaît pas votre pays. Depuis la guerre a commencé là-bas, là. Le gars est mieux, il ne parle pas, il n'est pas capable de réagir. Mais ce n'est pas un président. C'est un lâche. C'est un lâche. Donc il faut le dire. C'est quelqu'un qui dit que quelqu'un est lâche. C'est pas un jugement, mais c'est la vérité. Il vaut rien. Vous faites quoi un président qui vaut rien? Il est au sommet de l'État et puis on vous tue. Tiens, les gars, vous aussi. Hein? Lui, il est au sommet de l'État et puis on vous tue. Personne ne parle. Donc, ne venez pas déranger les gens. Non, non, vous attaquez aux ambassades. Qu'est-ce que nous on a foutu ça? Moi, mais c'est américain même là. Il y a quoi? Les Américains vont faire. Allez, il y a vos problèmes. Allez, il y a vos problèmes. Quand ça chauffe au Burkina, quand ça chauffe au Mali, là, les gens ont pris la responsabilité. Ils ont pris la responsabilité. Top leader, Jawa, merci beaucoup. Le Congo est plus nombreux que, comment on appelle ça? Rwanda. Mais vous voulez, non, mais attendez, les gars, quand même. Prenez-vous un peu au sérieux, là. Si la position vous rien, c'est pas notre faute. Moi, je le dis, c'est à vous tous. C'est dans mon petit direct. Je m'a dit aux Congolais, ok, de savoir limiter les dégâts à ce niveau-là. Qui n'ont qu'à, au lieu d'aller devenir faire la guerre, ils n'ont qu'à aller faire la guerre à leur propre président. Parce que c'est lui qui vaut rien. Ils n'ont qu'à prendre le temps de réfléchir. Si quelqu'un n'est pas capable de défendre la nation, mais qui dégage du pouvoir, c'est tout. C'est simple comme le bonjour, les gars. Pourquoi vous avez venu se prendre aux gens? Pourquoi vous avez venu vous en prendre aux gens? C'est quoi votre problème? Vous avez répondu à qui? Qui va venir vous défendre? C'est pas quelqu'un? En Burkina Faso, les gens sont levés, ils ont fait VDP, ils sont allés se défendre. Hein? Alors, c'est comme ça qu'il faut faire. Si mon président n'a pas la capacité de vous dire non, mobilisez-vous, on va vous donner les armes, on va vous former, vous allez aller au fond aussi, là. Qu'est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous pensez que les Rwandais vont vous raconter la guerre encore contre vous? Hey, mon cher, ils vont savoir que vous êtes des garçons. Ils vont savoir que vous êtes des garçons. Donc arrêtez de nous fatiguer vos histoires là, les gars. Il faut arrêter un peu. Moi je le dis ici à vous tous. Arrêtez. Alors c'est ma petite vidéo de ce matin. Partagez ce direct à ce n'est loin. Tu l'as demain encore ici à eux. Donc je suis à eux. Voilà. Moi je suis demain ici à eux encore. De toute la main, depuis hier à 20h, vous même. Et puis d'ailleurs, voilà, merci beaucoup, Ignacio. Depuis hier à 20h, vous même vous savez que déjà, le Congo est à feu à ça. Vous partez chercher quoi dans cette affaire aussi? Non, mais sois sérieux, mais prenons-nous au sérieux. Toi, tu sors là, tu vas où, tu t'en cherches quoi? Ben, ils ont cassé maintenant la voiture. Peut-être t'as botté là-bas, même mettre dessus. Bon, voilà, on a des problèmes. Hein? Tchou, les gars, quand même, on a qu'à arrêter un peu. Non, il faut que ça s'arrête, les gars. Moi, je vous le dis. Il faut que ça s'arrête. OK? Il faut que ça s'arrête. C'est dans le cas, je vous remercie beaucoup. Alors, chers amis Africains de liberté, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique,
Cher peuple de Côte d'Ivoire, c'était l'intervention donc de votre serviteur, l'amiral Bafè. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de samedi 10 février 2024. Partagez-moi massivement cette vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus, n'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes ici sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Abonnez-vous tout simplement et ensuite activez comme ça la cloche de notification pour ne rien rater comme ça de tout ce que nous publions sur Côte d'Ivoire 2020, la chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Afrique de liberté, ça a été un plaisir pour moi. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. Ce soir, Inch'Allah, on va avoir un direct. Le premier direct, voilà, sur TikTok. Le lien du TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a un lien, c'est la page, le compte TikTok. Allez-y vous abonner rapidement. Et ce soir, soyez présents pour le direct. Là, on va beaucoup parler. On va parler de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal. On va parler de l'Afrique. Donc, soyez présents ce soir pour le direct sur TikTok. C'est très important. Voilà, et n'oubliez pas, vous pourriez comme ça intervenir dans le direct. Donc, soyez prêts ce soir. À partir de 23h, on va parler très fort. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce direct. On est ensemble. Bonsoir chez vous.